Le Nigeria vit une grande pénurie de carburant. Selon un rapport, la crise est due au manque criard du dollar et à l'incapacité de la Société nationale de pétrole de signer des accords qui lui permettront de troquer son brut contre les produits raffinés. De toute façon, c'est très très mal, très mal. Comment quelqu'un peut-il être dans la file d'attente depuis le matin jusqu'à maintenant? Regardez, il est 12 heures maintenant et nous n'avons pas obtenu ce pour quoi nous sommes venus. Depuis le matin, j'étais ici. Conséquence, beaucoup de stations-service ont fermé à travers le pays, paralysant ainsi l'économie nationale. La crise de carburant qui sévit depuis plusieurs mois a ouvert la voie au marché noir où le carburant est vendu à des prix exorbitants. Le gouvernement fait de son mieux. Il y a un sabotage. Quelques personnes sabotent les efforts du gouvernement. Le Nigeria est le plus grand producteur de pétrole en Afrique. Pourtant, le pays n'arrive pas à couvrir la demande locale en produits pétroliers.